Voilà ce que ça donne de voyager. Trois jours. Trois jours de voyage. Bon, vous avez suivi un peu, on a filmé un peu à Singapour, mais on est arrivé dans un état pitoyable, avec un décalage horaire dans la tête. Avec. Bon, là, c'est un peu le fouillis partout. Sans te remettre. Donc, on est chez la sœur de la grand-mère de Ludivine. C'est un peu ma mironnée. Hein. C'était dur, moi je suis encore un peu pris. Ouais, Lulu, là, elle vient d'être pris complet. Elle crache jaune comme elle n'a jamais craché de tout le voyage. Et j'avoue que physiquement, c'est entre la clim, le voyage, pas dormir. Et puis il n'y a pas eu que le voyage, il y a eu Okusi juste avant où on a pris le bateau, le truc, enfin c'est speed, les journaux, les gens qui veulent te voir. Timor, ça aurait été comme on n'a pas cessé de le répéter, mais c'était drôlement vrai. Et donc nous y revoilà. En plus, on arrive à Maurice. Maurice ne voulait pas de nous, hein, parce qu'on n'avait pas de billet de retour. Comme on n'avait pas de billet de retour, ça s'est passé comment? Ça s'est passé que ils ont voulu nous renvoyer sur Singapour. En tout cas, le monsieur il a dit vous repartez sur Singapour. Donc il a fallu essayer d'expliquer le voyage, le truc, il voulait rien entendre le premier responsable. Ensuite on a appelé, on a été voir l'agence parce qu'il fallait acheter un billet sinon, mais on savait même pas quand est-ce qu'on allait partir ou quoi au caisse. Enfin, en termes d'organisation c'était zéro, on était en plus vraiment fatigués, voire lessivés. On avait l'oncle, un cousin plutôt de Ludivine qui nous attendait avec une autre sœur de sa grand-mère. Et qui du coup s'inquiétaient. Heureusement, ils ont fait des milliers d'essais en appelant l'immigration et compagnie sur place pour savoir comment on pouvait régler la situation. Nous, on a appelé son père, qui a appelé la sœur, on a appelé la famille. On a en plus été voir, moi en parallèle, j'étais voir le responsable de la police, non pas le douanier. C'était le douanier qui voulait pas nous faire passer, la police d'immigration. Tout ça pour au final nous laisser passer. Après 4 contrôles, nous demandant exactement la même chose, d'où on venait, qui c'est qu'on allait voir, qu'est-ce qu'on venait faire, si c'était des vacances, qu'est-ce qu'on avait dans ce gros carton qui était à pied, hein, forcément. Enfin voilà, tout un tas de questions qui fait qu'on n'a pas franchement eu la tête à filmer. Donc voilà, maintenant vous avez les explications. Et puis les explications en vrai, Choucha, je suis désolé pour cette magnifique coupe. Quoi, ça fait une de ces vagues. The wave, you. Et voilà l'explication en réel. Madame est bloquée. Alors, en plus, elle préfère s'allonger sur son tapis. On est tellement habitué à notre tapis de camping qu'elle préfère s'allonger sur le tapis de camping. Donc voilà. La suite à venir, puisque les parents de Lulu arrivent et nous on va partir faire une petite semaine à vélo dès qu'elle sera rétablie de Maurice, parce que ça serait quand même bien dommage qu'on ne pédale pas à Maurice, n'est-ce pas? Voilà, ça veut dire oui en termes de langage médicinal. Allez, ciao! Ciao!